C'est Armstrong qui est à l'intérieur à côté de... Oui, Abbott. Attention, 9 secondes. Ça sera juste. Ouf. Départ volé, j'ai bien l'impression, moi, de la part d'Armstrong. Ce sera Jonathan Abbott. Oui, on croit que oui, là, Armstrong était un peu trop rapide, je crois. Quoi qu'il en soit, il a la pole position, mais c'est très non officiel pour le moment. Jonathan Abbott qui va certainement mettre les gaz ou qui a peut-être bien senti que l'autre avait littéralement volé le départ. Bon, les officiels s'affairent à oui. Revoir tout ça. Et Abbott Michel est dans, ayant déjà deux premières positions et sachant que possiblement Armstrong a devancé le départ, moi je crois qu'il ne risquera pas à essayer d'aller chercher la première position. Et là, c'est bien pour la troisième, Bergeron et Jean-Sébastien Boyer. Oui, une lutte là qui va se faire là. Alors Jonathan Abbott, oh, on a louvoyé là dans le virage de la part de Bergeron. Et derrière, on trouve Boyer. Et ça est suivi de... Les deux ont devancé le départ, Michel. Oh! Abbott Steve également. Armstrong et Abbott. Donc, c'est André Bergeron, notre meneur. Ah ben là, c'est remirement total. Alors, petit rêve deviendra grand, le little dream en tête. Alors, Bergeron, qu'on surveillera pendant que les deux faux meneurs, si on peut s'exprimer ainsi. Là, c'est Bergeron qui va filer allègrement, semble pas inquiéter outre mesure. Alors, dans leur cas, le défi, là, ce serait d'aller chercher les retardataires parce qu'ils sont pénalisés d'un tour. Si on va chercher les retardataires, on peut gagner des positions. Mais ça serait difficile, je pense, puisque même les cinquièmes et sixièmes, là, Aymon et Kevin Smith, ben oui, sont ont quand même solide. Une bonne allure. Alors, voilà les deux meneurs qui sont pénalisés d'un tour. Alors, la plus haute vitesse jusqu'à date, 97,9. Ça s'explique. C'est un peu moins rapide qu'hier, puisque les conditions sont un peu plus difficiles. Hier, on avait fait 100 km/h, Jonathan Abbott, pour un tour de moyenne, mais les conditions étaient vraiment idéales. Là, c'est un peu plus houleux. Daniel Aymon qui tente de pourchasser Jean-Sébastien Boyer. Hier, évidemment, la baie Saint-François, c'était la tache d'huile totale. Alors, ça allait très bien de ce côté. C'était un wet spot, mais aujourd'hui, ça n'a pas bien fonctionné pour l'écurie Stevenson. Le CD11, Steve Armstrong. Il a bien dû le sentir de toute façon. Écoute. Mais là, on avait vu Armstrong, mais dans le cas d'Abbott, c'était limite. C'était serré. C'était très limite. Évidemment, on n'est pas positionné comme les juges le sont, et aussi avec la reprise vidéo, qui leur permettent de revoir tout ça. Et là, ça serait une première pour André Bergeron, ben oui. Une victoire en qualification. On a une remontée ici possible. Eh bien, c'est, écoute, le 15, Daniel Aymon, il se retrouve théoriquement en deuxième place avec Jean-Sébastien Boyer. Et pour Kevin Smith, c'est un peu décevant. Il est absolument plus rapide de se contenter là, de la quatrième, de la dernière, mais avec les pénalités, il serait en quatrième position. Alors, on affiche le drapeau blanc qui indique bien sûr le dernier tour à faire dans cette qualification qui sera certainement décevante pour Jonathan Abbott et Steve Armstrong. Il faut dire que sur 12 embarcations, 10 vont en finale, donc ouais. Ils sont déjà assurés pratiquement d'une qualification avec les résultats qu'ils ont eu hier. Donc, Bergeron ici. Prendra la première place, puisque rappelons-le que nos deux meneurs, Armstrong et Abbott, sont fait pénaliser d'un tour pour avoir volé le départ. Le
95 de Trimax de Daniel Lémon et le 77 de ça, Jean-Sébastien Boyer, fermeront la marche. Un peu étonnant là, des mauvais départs, surtout Armstrong qui a vraiment devancé comme il faut. Pilote quand même quelques années d'expérience. C'est le champion canadien en titre et là, vraiment une faute dans cette qualification. Et il a peut-être amené un peu avec lui Abbott qui lui aussi finalement a devancé le départ. Mais à souligner André Bergeron, honnêtement, il faut lui lever notre chapeau. C'est quand même une embarcation là, qui date de 30 ans. Ça avait été fait par Donald Bourgoin ici dans la région. Et là, qui vient gagner une qualification avec The Little Dream. Chapeau André Bergeron. On salue André Bergeron. Voilà Little Dream. Il va chercher des précieux points au classement en vue de la grande finale, bien sûr, de demain. Aussi une deuxième meilleur résultat là, pour la recrue Daniel Lémon. Et le 77, Jean-Sébastien Boyer et Kevin Smith qui ferment la marche de cette première qualification de 2 en 1,5 litres. On fait une pause.